Et bon réveil à tous. Merci d'être avec nous ce matin. J'espère que vous passerez une excellente matinée. Et bien sûr, nous allons vous accompagner avec un petit programme sympathique aux couleurs artistiques ce matin. Et oui, quatrième art à l'honneur pour commencer. Nous recevrons les deux comédiens principaux donc d'une pièce théâtrale intitulée Le Baccalauréat, une pièce théâtrale qui a décroché le grand prix du Festival national du théâtre professionnel dernièrement. Et donc, pour la première fois, nous allons les recevoir sur notre plateau de l'émission Bonjour d'Algérie. Et puis, nous sommes mardi, donc comme chaque mardi, nous irons sur un autre registre artistique avec Nassiba Djaïdir, qui, elle, reçoit pour vous ce matin l'artiste talentueuse Zohra Hachid Sellel. Et puis, nous continuerons toujours notre balade artistique dans cette matinale pour cette fois-ci parler de musique à l'occasion de la tenue actuellement à Blida du Festival du Chant Engagé. À cette occasion, nous aurons le plaisir de recevoir Helia Barthi, donc cette chanteuse qui est interprète de la musique andalouse, qui viendra un petit peu nous parler de son actualité et de sa participation à ce Festival du Chant Engagé. Voilà un petit peu la composante de cette matinale. Tout de suite, je vous confie à Amel Laribi pour les nouvelles du ciel. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Amel. Bonjour Adia. Ça va? Très bien, merci. Alhamdoulilah. Je sais que vous n'êtes pas contente ce matin. Du tout, oui. Ah là, je Les suis fâchée là. pluies se sont Ah oui, dissipées. franchement, non, oui. Oh là là Ouais, là là, le retour malheureusement. du soleil à Oui, Alger, j'ai jusqu'au l'impression. week-end. Jusqu'au week-end? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette mine triste ou Oui, nette, non, bon non. sang? Oui, j'espère que ça va revenir. Oui, bah écoutez, on est en plein hiver, ça va revenir. Hein. Inch'Allah, Voilà, pas de chagrin. Non, non, ça va. Voilà, laissez-moi apprécier mon beau soleil ce matin. D'accord, une petite exception. Allez. Alors, donnez-nous voilà, ce point Oui. météo, s'il vous plaît. Allons-y. Allons-y. Alors bonjour à tous et bon réveil. Pour aujourd'hui, eh bien, on aura de la brume en début de matinée sur les hauts plateaux et dans les vallées de l'ouest et le centre du pays. Puis le ciel deviendra bien ensoleillé sur les régions de l'ouest et le centre durant l'après-midi. Par contre, à l'est, eh bien, on aura des passages nuageux. Ces nuages sont localement assez denses qui vont donner quelques pluies résiduelles près des côtes. À noter, prédominance des éclaircies sur les quelques passages nuageux vers les oreilles. Des vents assez forts sur les Aurès pouvant atteindre les 60 km/h durant la journée. À noter aussi du verglas durant cette matinée sur les hauts plateaux de l'ouest et le centre, donc soyez très 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 prudents. Vers la moitié sud, rien à signaler excepté quelques voiles sur les oasis avec toutefois des soulèvements de sable sur le Nord Sahara, les oasis, le Sahara oriental, le Sahara central et tout au long des frontières algéro-maliennes. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront de saison vers l'intérieur avec toutefois un minimum de 7 degrés du côté de Batna, 8 Sétif, 9 Djelfa Al-Bayt, 14 Alger Annaba, 18 Tlemcen Oran, 16 degrés à Mascara, 19 Bécha, 20 degrés à Biskra, 16 degrés Lizi, 23 à Tindou, 22 Taman Rasset, Janet et enfin le maximum 26 degrés Borj Bedjemourtar et Ingzem. Un petit tour s'impose comme toujours du côté du continent européen où des flocons de neige tourbillonneront autour d'Helsinki, des passages nuageux à Oslo, Copenhague, Varsovie, également Berne, Marseille, Paris, Rome, Bucarest, la péninsule ibérique, un temps nuageux à Berlin ainsi qu'à Budapest, de la pluie prévue à Bordeaux, également Dublin. Le mercure, quant à lui, affichera moins 1 degré le minimum à Oslo, 1 degré à Helsinki, 2 degrés à Varsovie, 6 à Budapest, 8 à Bucarest, moins 2 degrés à Prague, 8 à Paris, 11 à Londres, 16 à Rome, 14 à Marseille, également Madrid, 16 degrés à Lisbonne et enfin 18 degrés le maximum cette fois-ci à Athènes. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis.
Merci Amel. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais dormir moins bête ce soir. Dites-moi, quand le soleil comme ça bouge au-dessus du nuage, ça veut dire qu'il va quand même pointer un petit peu où ça? Dans le ciel. Le soleil là qu'on voit sur le schéma. Oui, bouger, oui. Et quand il bouge, oui. Ça veut dire que voilà, c'est mitigé? Non, non, il n'y a que du soleil, c'est tout. Il n'y a que du soleil et quelques nuages. Vous parlez de l'Est? Ah, Europe. En Europe. Quand il y a du soleil et oui, des nuages. Oui. Enfin, c'est passagèrement nuageux. Il y aura du soleil et tant temps... Voilà. Nuages. De temps en temps, des nuages. Ce soir, on dormira moins bête. Je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire exactement. Passagèrement nuageux. Voilà. Et puis, merci pour votre passage. Ah bah merci. Voilà. À tout à l'heure. Prochain passage à midi. À midi, 19h aussi. Très bien. Excellente journée à vous également. Également à la DIA. Je vous propose tout de suite, mesdames, messieurs, de faire une petite virée du côté de Tikjda avec ces belles images, une sélection donc rapportée par notre collègue Nadir Mahdi, avant de retrouver Najma Haraj pour un point d'actualité. D'actualité, mesdames, messieurs, avec Najma Haraj. Oui, alors, Najma, bonjour. Bonjour Adia, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'actualité, le ministre de la Santé procédera à la mise en exploitation de l'extension de l'hôpital Ahmed Ben Bella au chef-lieu et donc dans la wilaya de Khenchla, ainsi que de deux polycliniques dans les communes d'El Mhemmel et Qais. Le ministre inspectera par là même les chantiers de construction d'hôpitaux dans les communes de Babar, Chachar, Ouled, Rechèche et Bouhmama. À Médéa, aujourd'hui, le ministre de l'Énergie, Mustapha Guitouni, procédera à la mise en service de plusieurs raccordements en gaz naturel et électrique. Il inspectera aussi les travaux de rénovation de la station-service de Naftal de Bni Slimane. Il procédera aussi à la mise en service d'une importante canalisation de distribution publique de gaz qui alimentera 7000 foyers, dont 1000 foyers dans la commune de Tel. Au chef-lieu de la wilaya de Médéa. Donc, il mettra aussi en service un centre d'électrification rurale au profit de 450 foyers. À Tizi Ouzou, la ministre de la Poste et des Télécommunications, Houda Imen Falaoun, procédera à la réouverture du bureau du poste Taka dans la commune de Mkira et visitera l'agence postale dans la commune de Dra El Mizen. À Boumerdès, la ministre aussi, Houda Imen Falaoun, donc procédera au lancement électronique par TPE et inspectera des bureaux de poste relevant de son secteur dans la commune de Boudouaou. À l'APN, aujourd'hui, est prévue une séance plénière consacrée à la présentation du projet de loi relative à la lutte et la prévention contre la corruption. Le forum du quotidien El Moujahid organise une conférence de lutte contre le cancer. Elle sera
animé par le professeur Bouzid. Aussi, le quotidien Chab recevra le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Issa. La commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse organisera aujourd'hui une rencontre au siège du ministère des Finances à Ben Aknoun. Clôture aujourd'hui du jumelage entre l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau et des sociétés belges au siège du ministère des ressources en eau à Kouba. Et à Betna est prévue aujourd'hui la distribution d'aide aux familles de la région d'Aris dans le cadre d'un programme d'appui et de soutien aux habitants des régions frontalières et montagneuses lancé par le Croissant Rouge algérien en présence de la présidente donc du Croissant Rouge. À Blida est prévue aujourd'hui l'ouverture de la 5e édition du Salon national des agrumes organisé par la Chambre d'agriculture de la Wilaya en coordination avec la direction des services agricoles et en présence du secrétaire général de l'Union nationale des agriculteurs algériens. Voilà ce qu'il y avait dans l'actualité. Sport à présent. Football, Ligue 1, suite de la 20e journée qui verra le leader, l'USM Alger, effectuer un périlleux déplacement à Béjaïa pour affronter le MOP Béjaïa. La lanterne rouge, le CR Belouizdad, jouera quant à lui l'une de ses dernières cartouches quand il accueillera l'entente de Sétif. Et à Burj Bouhririj, le Cap Burj Bouhririj recevra le DRB Tejnent. La journée sera clôturée par la rencontre MC Alger Olympique Médéa. L'essence était l'essentiel de l'actualité. Nous allons tout de suite recevoir l'invité de la matinale. Il s'agit de M. Ali Mahmoudi, directeur général des forêts. Monsieur, bonjour, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc l'Algérie, à l'instar des autres pays, a célébré le 2 février dernier la journée mondiale des zones humides. Donc une journée qui rappelle aussi le traité Ramsar signé par 169 pays, dont notre pays aussi. Donc c'était en 1971, je crois. C'était le 2 février. Alors aujourd'hui, quel bilan pouvons-nous établir de nos zones humides ainsi que des espèces qui renferment donc ces espaces naturels, Monsieur Mahmoudi? Merci à vous. Bonjour à tous les téléspectateurs. Donc je commencerai par donner une rétrospective par rapport à la situation des zones humides de par le monde pour dire qu'il y a une alerte qui est donnée puisque nous enregistrons une régression de l'ordre de 35% entre l'année 1970, date à laquelle on a pensé à la convention de Ramsar, et 2015. Donc un bilan catastrophique a été élaboré par les instances internationales où ils se sont prononcés sur une régression de l'ordre de 35% pour les zones humides naturelles. Donc pour vous dire que c'est trois fois plus que la régression des espaces forestiers. Donc c'est une régression qui est due certainement au changement climatique que connaît aujourd'hui la planète. Il y a un peu les changements climatiques, il y a un peu dans les pays pauvres l'assèchement de ces zones humides pour faire de l'extension des terrains de culture. Il y a aussi des terrains de culture qui sont faits autour des plans d'eau qui pompent les eaux. Donc, ils doublent un peu l'effet des changements climatiques. À côté de ça, de gros efforts sont faits par les différents États par rapport à la mobilisation des eaux de surface. Donc, nous enregistrons quand même un accroissement des zones humides artificielles, comme les plans d'eau de barrage, les retenues. Et la totalité représente 12% des zones humides de la planète. Pour revenir chez nous, donc la convention, comme vous l'avez si bien précisé, a été signée à Ramsar, une ville iranienne, en 1971, exactement le 2 février. Notre pays l'a ratifiée une dizaine d'années après, en 1982. Et en 1984, nous avons vu les deux premiers sites algériens classés d'importance internationale. Ce sont le lac Tonga et le lac Koubaïra qui relèvent tous les deux du parc national d'El Qala à l'extrême-est du pays. On va rappeler, M. Mahmoudi, que l'Algérie recèle 50 sites et plus de 1400 zones humides qui dessinent une grande diversité paysagère, n'est-ce pas? Nous y arrivons, madame. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons réussi à classer une cinquantaine de sites
qui couvre une superficie de l'ordre de 3 millions, ce qui fait que notre pays se retrouve premier à l'échelle africaine. Et par rapport à ce critère, je vous raconte une anecdote. En 2003, j'ai eu à représenter l'Algérie au Congrès mondial des parcs nationaux qui a eu lieu à Durban, en Afrique du Sud. Et comme événement parallèle, il y avait le Fonds mondial pour la nature, le WWF, qui avait organisé une cérémonie de remise de prix aux pays qui avaient fait des efforts par rapport au classement dans cette catégorie d'aires protégées. Eh bien, croyez-moi que j'ai été appelé en premier, puisque nous détenons la tête des pays avec 3 millions d'hectares. On devançait le Madagascar, qui est lui-même une zone humide entière. Et nous sommes suivis de près par le Soudan. Et le Soudan, pour la précision, seulement deux zones humides qui couvrent à peu près 2 800 000 hectares. Donc les efforts vont continuer. Beaucoup de sites algériens méritent d'être revêtus de ce statut. La Direction générale des forêts s'efforce à présenter les documents, surtout que depuis octobre 2018, date de la COP par rapport à cette thématique, l'Algérie a été désignée par rapport à cet effort comme représentante des pays d'Afrique du Nord, les six pays, donc l'Égypte, la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie, donc les six pays d'Afrique du Nord. C'est nous-mêmes qui allons les représenter dans la convention de Ramsar jusqu'à 2021. Très bien, Monsieur Ali Mahmoudi, quelles sont dans ce cas-là les conditions et les critères de cette classification par les instances internationales? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'un site soit classifié? Donc, il y a un certain nombre de critères. Le site n'est pas obligé de répondre à la totalité des critères, il y a un minimum de critères, notamment l'étendue de l'aire proposée au classement. Et la qualification, puisque vous savez, il y a une diversité très très importante de sites qui sont proposés. En Algérie, par exemple, on a les cours d'eau, on a les marais, on a les deltas dans le sud, on a les oasis, on a même tenté de proposer des fougaras. Donc il y a une grande diversité. Il faut que le site soit fréquenté par un minimum d'avifaunes, donc d'oiseaux, qu'ils soient migrateurs ou nicheurs. Et qu'en est-il justement des espaces? Elles sont aussi en régression, M. Mahmoudi? Justement, je vais vous décliner dans un moment le résultat des dénombrements effectués à la mi-janvier 2018. Mmh. Et là, nous avons on vient d'éditer une revue qui est réservée spécialement au réseau national d'observateurs ornithologiques, qui sont actuellement au nombre de 700. Qui se retrouve dans 47 wilayas. Malheureusement, il y a la wilaya de Tamanrasset qui n'est pas couverte, faute de ressources humaines. Nous n'avons pas d'observateurs spécialisés. Et la revue de cette année, donc, elle est composée de deux grands chapitres. Le premier chapitre, donc, il nous décline les résultats du dénombrement des oiseaux effectués dans une moyenne de 360 sites répartis dans 47 wilayas. Et un second article a été dédié à une espèce de vautour qui est en déclin, c'est le vautour percnoptère, mmh. Où on l'appelle communément en kabyle Isri. Donc c'est un vautour dont les effectifs commencent à subir des régressions. Enfin, à l'intérieur, on parle aussi de certaines espèces qui commencent à devenir envahissantes, à l'image du hareng garde-boeuf. Donc le téléspectateur remarque le long des routes, sur de gros arbres, des colonies d'oiseaux blanchâtres. Et cela, c'était à l'origine des oiseaux migrateurs. Mais malheureusement, avec la multiplication de décharges et autres dépotoirs chez nous, il est devenu sédentaire et il commence même à provoquer des perturbations dans certains sites agricoles. Voilà, donc le recensement nous a donné à peu près 350 000 oiseaux qui ont été dénombrés. Ces 350 000 oiseaux appartiennent à environ 16 familles, 75 espèces. Et je disais, donc, dans 358 sites que le dénombrement a été fait,
Et il a touché donc parmi les 50 sites classés, 45. Malheureusement, on n'a pas pu faire les 5 autres sites, qui sont un site, c'est Afilel et Escares, deux sites de Taman Rasset. Comme je disais, Taman Rasset, malheureusement, nous sommes démunis en ressources humaines. La grotte de Gharbou Mazad, dans la wilaya de Tlemcent, c'est une grotte, elle n'est pas fréquentée par les oiseaux, malgré qu'elle soit classée comme zone d'importance internationale. Les îles de Rechgoun au niveau de Timouchent, et là c'est surtout le goéland, le coffé et autres espèces marines qui fréquentent ce genre de site. Et enfin, une oasis dans la région d'Adral, c'est l'oasis de Ouled Saïd. Voilà, parmi les 50 érigées en zone d'importance internationale. Très bien, monsieur Mahmoudi, vous venez de parler d'espèces envahissantes, d'autres en voie de disparition, ou qui se font extrêmement rares. Quel plan d'action, justement, établi dans le cadre de la stratégie nationale pour la conservation des zones humides, établi justement par votre département à l'horizon 2030-2035? Merci pour cette question, puisque vous me ramenez à parler de la stratégie nationale sur les zones humides, que le secteur a réfléchi avec la participation de la totalité des secteurs en 2015. Nous l'avons publié en 2016. Donc ça nous a permis d'abord de faire un inventaire exhaustif de ces zones humides. Nous sommes arrivés à dénombrer 2375, dont 2056 naturels, et le reste c'est des plans de barrages ou de retenues qui sont au nombre de 319. Donc de gros efforts ont été faits par la Direction générale des forêts par rapport à cette thématique, puisque nous sommes le point focal de la convention de Ramsar. Donc le premier effort, c'est l'effort de classement. Nous sommes à 50 sites de classés et beaucoup reste à faire. Notamment, je reviens de Khanchila, puisque cette année nous avons été... La célébration s'est faite là-bas. La célébration officielle du 2 février a été faite au niveau de la wilaya de Khanchila. Pourquoi Khanchila? Puisque c'est une région, si vous voulez, située entre deux grands climats très très contrastés, donc la région sud et la région nord. Mm-hmm. Donc c'est une wilaya qui dispose d'une dizaine de zones humides, dont neuf artificielles et seulement une. Sbirt el-Mahmel, et vous disiez tout à l'heure que notre ministre de la Santé aller inaugurer un hôpital. Je suis très content pour les populations qui nous avaient réservé un très chaleureux accueil et qui sont prêts à nous accompagner dans la préservation de ce site, puisque c'est un site qui est à peu près qui s'étend sur 800 hectares extensible à 2000 hectares en zone inondable. C'est un site où nous enregistrons la présence du flamant rose, de la sarcelle marbrée et même le passage de l'iris mature à tête blanche. Qui est une très très belle wilaya frontalière. Vous rappelez, monsieur Mahmoudi Ali, il y a quelques mois, vous êtes passé avec nous sur ce plateau. Mmh. On a beaucoup parlé des investissements touristiques autour. Pas tout à fait autour de certains sites forestiers comme celui-ci. Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens, justement? Justement, par rapport à ce site, on a été surpris par la présence d'une étude qui a été élaborée par nos collègues du ministère de l'Environnement. Donc ils ont essayé de faire un inventaire exhaustif, que ce soit de l'avifaune ou de la flore aquatique qui se trouve au niveau autour de ce lac. Donc ils nous ont signalé des espèces fourragères comme la triplex, des espèces qui supportent le sel comme le tamarix et beaucoup d'espèces d'oiseaux. Donc justement pour répondre à un certain nombre de critères de la convention de Ramsar et en définitive en matière de plan d'action, en plus des mesures de conservation. Donc il y a un égout qui déverse dans cette zone. La direction des ressources en eau a entamé la réalisation d'une station d'épuration. C'est tant mieux pour cette zone et qui va rentrer en activité au bout de 6 mois. Je vous rapporte ce qui est les propos du directeur des ressources en eau de la wilaya de Khanchila. Et l'étude prévoit une aire de récréation et de détente avec même quelques équipements d'hébergement.
Donc, ils ont prévu un plan qui épouse exactement les caractéristiques de ce site. Ça serait une très très bonne chose. En plus, donc, Khanchla, qui est connu par sa destination thermale par rapport au Hammam Salihin, Inch'Allah, la daïra de l'Mahmel connaîtra aussi un essor en matière de tourisme à travers cette zone Ses humide. potentialités et les atouts naturels dont elle recèle. Vous Bon. avez parlé de station d'épuration, justement le lac de Régaïa, qui est confronté à peu près au même problème à cause de la zone industrielle située aux abords du lac de Régaïa. Et dernièrement, les industriels ont été un petit peu forcés de mettre en place leur propre station d'épuration. C'est quand même un crime, je dirais, contre ces espaces naturels, monsieur Mahmoudi. Merci madame pour cette question qui est très pertinente parce que la comparaison elle est très très. Il y a une grande différence entre les deux zones. Celle de l'Mehmel où les seuls rejets qui aboutissent, c'est des rejets domestiques, donc facilement traitables. Et donc la résilience, si vous voulez, Elle est est rapide. rapide. Elle pourrait être rapide à la différence de celle du lac de Raya que nous aspirons ériger en réserve naturelle, puisque le dossier est au niveau de la Commission nationale. Vous nous avez suivis, on avait même ramené la station spécialisée dans ce domaine, qui est la Tour du Valat en France, qui est financée par le mécène qui est décédé, c'est Luc Hoffmann. Donc ils étaient chez nous il y a de cela 3 mois. On a signé un accord pour qu'ils nous accompagnent à l'élaboration d'un plan de gestion et d'aménagement de cette zone. Et alhamdoulilah, donc la wilaya d'Alger, nous lui rendons un grand hommage. De gros efforts ont été faits en collaboration avec la direction des ressources de la wilaya d'Alger, le wali délégué de Rouibah qui suit de très très près les activités. Et beaucoup de monde ont été interpellés par rapport à ces zones, surtout par rapport à ce que nous avions vécu l'été passé. Vous avez vu par rapport à la pastèque et au melon. Donc une alerte a été donnée par rapport à l'utilisation des eaux usées. Mais nous rassurons nos téléspectateurs, la résilience est progressive, elle se fait petit à petit, mais au jour d'aujourd'hui, le visiteur du lac de Réagaya ne remarquera plus ces eaux ocres et qui dégagent des odeurs de nauséabondes. Donc il y a des ouvertures puisque l'écluse a été rénovée. Donc il y a des lâchers progressifs qui sont faits de telle manière à assurer le renouvellement des eaux. À l'amont, donc, il y a des stations d'épuration, comme vous venez de le signaler. On a obligé toutes les unités industrielles soit à s'équiper de stations, soit à se constituer en groupement pour faire des stations communes. Et je pense qu'un avenir meilleur attend cette zone humide Il y a qui est. certaines associations de préservation de l'environnement qui réclament carrément la délocalisation de la zone industrielle. À votre avis, à long terme, est-ce que cette demande pourra aboutir ou c'est juste elle est juste utopique? En tout cas, bon, dire utopique, non, rien n'est impossible dans notre pays, surtout avec l'extension que prend la capitale. Donc, ces terrains-là pourraient être utilisés pour L'enrichissement. la création d'activités propres ou de centres urbains qui seraient plus ou moins propres. Et l'industrie aussi. Elle est indispensable pour l'économie du pays. Donc, soit on poussera tout le monde à prendre les mesures de préservation et donc de traitement de leurs eaux qui seraient dégagées, déversées plutôt dans ce plan d'eau, soit carrément nous sommes d'avis de ces associations si des terrains loin de toute atteinte à l'environnement seraient proposés à ces industriels. Tout à fait. En tout cas, ça donne une idée du facteur humain dans la participation de la dégradation de ces sites. On a parlé tout à l'heure des facteurs naturels. Et dans ce sens, qu'est-ce que vous prévoyez en matière de sensibilisation pour changer ces comportements, monsieur Mahmoudi? Justement, donc, on a commencé à parler des efforts qui sont déployés par la direction générale. Donc, en plus de l'effort de classement, il y a 8 plans de gestion qui ont été faits pour ces 8 sites, 8 zones humides.
Il y a deux centres d'éducation à l'environnement spécialisés pour les zones humides qui sont opérationnels. Le premier, c'est celui dont nous venons de parler, c'est Raya, donc qui accueille les écoliers pratiquement tous les week-ends et tous les jours fériés au niveau de ce centre pour leur inculquer certaines prescriptions en matière de préservation de l'environnement et pour qu'ils puissent voir constater de visu des espèces qui fréquentent ces plans d'eau. Le deuxième, donc ça, il a été réalisé dans le cadre du financement national. Un autre, dans le cadre d'un financement de coopération, c'est puisque nous l'avons réalisé au niveau du complexe de Garbès. D'ailleurs, le complexe de Garbès, dans la wilaya de Skikda, on devait nous y rendre demain pour le lancement d'un projet le jeudi. C'est l'application des recommandations du plan de gestion avec un financement qui nous a été débrouillé par le PNUD, donc c'est le plan des Nations Unies pour le développement, c'est le PNUD Algérie, avec un grand partenaire à eux, c'est Coca-Cola. Pourquoi Coca-Cola? Parce que Coca-Cola, c'est les producteurs de boissons, donc un grand consommateur de l'eau. Voilà, donc c'est un projet de 300 000 dollars. Pollueur-payeur. Voilà, tout à fait. En tout cas, on aimerait voir beaucoup de projets ici touristiques autour de ces zones humides, des villages, pourquoi pas touristiques à Khanchla, des maisons d'hôtes, beaucoup d'excursions, beaucoup de sorties à destination des écoliers. En tout cas, il y a beaucoup à dire et à redire concernant votre secteur. Un dernier message pour les téléspectateurs qui nous regardent pour préserver ces zones humides, monsieur Mahmoudi. Merci madame. Donc, comme on a déjà fait un appel par rapport à la préservation contre le plus grand fléau destructeur des massifs forestiers qui étaient les incendies, donc on avait fait appel aux populations. Dieu merci, une réponse favorable a été enregistrée puisque nous n'avons enregistré que 2372 hectares de pertes pour une moyenne de 800 départs de feu. Nous demandons une fois de plus, de gros efforts par rapport à la préservation de ces espaces qui sont vitaux par rapport au devenir de l'homme. Surtout, la thématique de cette année qui a été donnée par la Convention, c'est les zones humides et les changements climatiques. Il faut que le téléspectateur sache que ces zones humides jouent un très très grand rôle dans les changements climatiques. Juste un petit indicateur, les tourbières, bloquent plus de carbone qui est dans l'air que tous les massifs forestiers de la planète. Merci beaucoup, M. Ali Mahmoudi. Je rappelle que vous êtes directeur général des forêts. Vous n'êtes plus un invité, normalement. Vous êtes un collaborateur de Canal Algérie. Merci. Merci d'être venu ce matin. Voilà, c'était l'invité de la matinale. Je vous retrouve demain. Radia, c'est à vous. Merci beaucoup Nejma, merci également à votre invité. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, les zones humides sont à l'honneur et bien sûr c'est la participation de Canal Algérie à cet effort de sensibilisation autour de ces zones humides. À l'instar également de nombreuses associations qui activent sur le terrain à travers le territoire national dans les différentes wilayas, on dénombre justement des passionnés de la nature qui œuvrent en faveur justement de ces zones humides. Et en voici un exemple, l'association Blidéen Al-Arnab, qui a été rencontrée, donc dont les membres ont été rencontrés, par Feriel Hamdi. C'est tout de suite. Daya constitue une destination de choix pour les amoureux du calme et de détente. Au vu de sa situation géographique, sur les monts Temesguida, Médéa aux frontières administratives avec la wilaya de Blida. Après une heure de marche, qui a paru bien longue à certains, les randonneurs sont enfin arrivés au lac Daya, dont la beauté à couper le souffle leur fait oublier sur le champ toute la fatigue du chemin. On est au niveau de la zone de Daya, on organise une randonnée, on va assurer aussi des campagnes de sensibilisation et des ateliers de travail aussi pour bien sensibiliser le citoyen sur l'importance de ces zones. Le thème d'aujourd'hui porte sur les zones humides et les changements climatiques. C'était très très important. Très bien. Et on cherche à être actif beaucoup plus par rapport à la protection et la conservation de ces zones. Le départ était un peu
un peu, on a fait regrouper les jeunes de Fla, Alger ou Bléda. Démarré dans 4 bus. On a fait Daya, on fait la marche, on fait randonnée. On est en plein en forme avec le sac à dos, fait et tout. On a le Shabab. Voilà, on invite les familles aussi pour visiter ce lieu. La journée mondiale des zones humides est célébrée chaque année le 2 février. Et pour sensibiliser ces jeunes à la valeur des zones humides pour l'humanité et la planète, l'association Ardnab, association des randonneurs et de la découverte de la nature de l'Atlas Lydéen, a organisé une sortie avec des activités en plein air. Je trouve cet endroit magnifique parce que c'est déjà une autre facette de l'Atlas Lydéen, différente de celle de Shéa, qui est la plus connue. Donc une couverture végétale totalement différente, avec le lac qui est exceptionnel. Donc c'est une occasion aussi pour nous de rencontrer d'autres gens. Un site enchanteur, objet de convoitise des investisseurs, s'étalant sur une superficie de 8 hectares. Ce plan d'eau enchanteur, entouré de forêts, héberge une faune et une flore multiples à l'origine d'une très riche biodiversité. Et c'est un site merveilleux qui joint entre la beauté de la flore et une biodiversité accrue en matière faunistique. C'est par rapport à ça qu'on tient toujours à faire encore des études pour le faire classer comme zone humide, Inch'Allah. Là, c'est un site vraiment naturel, qu'on lui parle sa biodiversité beaucoup plus en matière faunistique. Donc on peut trouver là des espèces de lièvres, on peut trouver l'hibou, on peut trouver là ce que vous voyez sur terrain, ça, c'est le passage du port hippique qui fait les tourbières, et la tourbière, c'est l'un des points primordiaux pour classer ces sites, en plus tout ce qu'il y a comme espèces sur le lac, donc les grenouilles et les espèces floristiques dont je peux citer le romarin et cette les garrigues, les maquis, beaucoup plus les espèces de chêne fer et le chêne le chêne subert et quelques espèces de l'olivier lentisque. À pied, en voiture, en camion ou en bus, rien ne semble arrêter ces jeunes avides d'un moment de bonheur et d'évasion. Oui, c'est vrai que... Et voilà, notre spécialiste, je dirais, des plasticiens. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, Nassiba. Oui, bien sûr. Un petit peu de fantaisie. Enfin, spécialiste, en c'est tout cas, trop dire. Oui, passionné, vous donner de l'information. Passionné d'art. Oui, donc, vous mettez votre plume au service des artistes de tous bords, donc essentiellement voilà, les service, Algériens. Je suis au service de l'art. Absolument, absolument. Bonjour, Nassiba. Bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver tous les mardis pour vous faire découvrir une nouvelle exposition, vous faire voyager dans le monde de la couleur et rien que de la couleur. Oui, aujourd'hui, donc la couleur sera au rendez-vous certainement avec oui, l'artiste que vous colorée, avez invité. Une palette très très audacieuse aussi. Absolument. Hein. Absolument. Une touche très contemporaine. Alors cette fois-ci, on s'est intéressé à une exposition qui se déroule actuellement à la galerie d'art Liesmin. Le galeriste Lies Relifati était venu annoncer l'événement. Absolument. Il y a environ, je dirais, 2 semaines à peu près, oui. Radia. Il était venu annoncer l'exposition d'une artiste plasticienne aux références bien établies, une artiste au parcours aussi riche qu'imposant et qui expose actuellement à la galerie d'art Liesmin. Le vernissage a eu lieu vendredi dernier. Mm-hmm. Et nous sommes partis le lendemain avec l'équipe filmer cette exposition, vous ramener des images et on a invité aussi qu'on découvrira avec la plasticienne qui est avec nous ce matin, Zohra Hachid Selel, bonjour. Bonjour, merci. Azoul. Azoul, merci d'être des nôtres ce matin. C'est moi qui vous remercie. On est très heureuse. Ça faisait très longtemps qu'on ne vous avait pas vu sur les plateaux de oui, Canal Algérie. Oui. Je n'ai pas fait d'expo personnelle depuis 2012. 2012 oui. L'avant-dernière, ce n'était pas à la galerie d'Al-15 On était plusieurs.
C'était une collective. C'était une collective. C'était une collective. Donc je ne considère pas que c'est... Oui. C'était une collective, bon, mais à titre personnel, depuis 2012, c'était dans quelle galerie? C'était à la galerie de Lunac, avenue Pasteur. Ah, l'avenue Pasteur, voilà, c'était... la galerie... Non, pardon, pardon, c'était chez Madame Guélimi, à Chiraga. Mais c'était la même année que la galerie de Lunac. De Lunac. C'était pour toucher un public un peu différent. Oui, mais qui est actuellement géré par l'établissement Art et Culture de la Wilaya d'Alger, qui se trouve à l'avenue, au 7 avenue Pasteur. Alors, revenons à cette exposition « Sonorité africaine ». C'est ainsi que vous l'avez intitulée, Zora Selel. Une exposition que vous préparez depuis quand même... une semaine environ. Non plus, beaucoup plus. Hein. Une semaine, pardon. Une année, une année. Oh, désolé. Non, depuis 2012, pas d'exposition personnelle, donc j'imagine que ça a mûri depuis. Oui, il y a un travail de maturité, il y a une démarche artistique qui se renouvelle, mais les préparatifs de cet événement remontent à une année environ, plus d'une année. Plus, parce qu'elle a été retardée pour des raisons personnelles. Oui. Elle a été retardée 2 ans. Ça fait deux ans qu'elle est retardée, et puis Colat l'a fait arrêter. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, elle les bouche sur autre chose. C'est-à-dire qu'elle va aller, elle traverse la Méditerranée. Oui, voilà. C'est très bien. Au-delà de ce qu'il y a de positif finalement dans. C'est une exposition. Il nous l'avait expliqué, le galeriste. C'est une exposition itinérante. Absolument. Alors, point de départ, Alger. Ensuite, elle va se déplacer cette exposition vers Paris. Oui. La Tunisie. Paris, le 15 du mois prochain, à la galerie Sable d'Art. Sable d'Art. Qui se trouve dans le 2e arrondissement. Alors, ça, c'est pour la deuxième. La troisième, c'est Tunis, à Gamart, dans une très très belle galerie. Ouais. Et puis après, en Espagne, mais... Madrid, pas peut-être les noms de... Madrid. Oui, Madrid, c'est Madrid. Sûr, mais aussi une autre ville, mais je n'ai pas encore l'information, puisque c'est M. Khalifati, qui gère, absolument. Oui. Elle va se terminer à Madrid, après retour sur Alger, à Oran, au nouveau Centre des Arts que va ouvrir bientôt Khalifati. Voilà. Donc ça, c'est l'actu, c'est les grandes lignes de cette exposition. Mmh. Alors, revenons, si vous voulez bien, à votre parcours. Il est bon quand même de rappeler un petit peu votre parcours, Zora Selel Hachid. Alors, vous êtes diplômée de l'École nationale des beaux-arts d'Alger. Oui. Promotion, vous êtes rentrée En 62. Première promotion, j'imagine. Première promotion. Au lendemain de l'indépendance, vous étiez toute jeune. Oui. Pionnière, donc. Ah oui. Exactement, pionnière. Et la seule, en plus, qui a demeuré pionnière. Oui. Parce qu'après, elles ont disparu. Nous étions 3 filles. 3? Oui. Et les autres? 3 filles, 3 Algériennes. Trois Algériennes? Il y avait des étrangers. Il y avait quand même des étrangers. Les deux autres artistes algériennes, c'était qui? C'était Vous avez des souvenirs, des noms? Fatma Zohra Azoug, Assoud. Qui elle est allée dans l'enseignement. D'accord. Et Nabila, je ne me souviens plus son nom, je l'appelais Nabila. D'accord. Qui était vraiment une fille très très douée, mais peut-être un peu feignante. Qui a abandonné pour un moi, elle aurait pu, parce que vraiment, elle est très, très douée. Dommage. Oh, d'accord. Elle aurait pu faire une très belle carrière. Et vous avez fréquenté les ateliers, vous avez été l'élève de Mohamed Issiakhem, la Yahmou. Oui. Ali Khodja aussi, la Yahmou. Oui. Et puis Mesli. Et Monsieur Mesli, oui. Hélas, ils nous ont quittés. Oui. 3 illustres artistes. Vous avez fait vos classes auprès de ces grands peintres algériens qui ont marqué de leur empreinte l'art pictural algérien. Oui, De bons souvenirs, j'imagine, dans la semaine. Ah oui, c'est bon. C'est vrai qu'on regarde toujours derrière avec beaucoup de... De nostalgie. Oui, de nostalgie, mais il n'y a pas de la nostalgie. Il y avait un niveau. Oui, et puis c'était une époque où les arts fusionnaient, c'est-à-dire vous étiez au contact des hommes de théâtre, des dramaturges, vous étiez au contact des musiciens de l'époque, et c'était vraiment une vie artistique vraiment très présente, du moins à la capitale. Et bien, tous ces artistes, peintres, écrivains, poètes, donnaient vraiment un exemple qui rayonnait dans toute l'Algérie.
Absolument. Ensuite, vous avez mis les jalons un petit peu de l'art. Oui, tout à fait. C'est excellent. Et il y a eu tout un parcours. Vous avez travaillé pendant quelques années. Vous avez contribué à l'étude de réhabilitation du patrimoine artisanal algérien. Vous avez enseigné le dessin, la peinture, la sculpture. Vous êtes conceptrice et réalisatrice aussi de marionnettes, de masques, de figures géantes destinées au monde de l'enfance pendant des années. Ensuite, il y a eu une petite interruption. Et vous êtes revenue sur la scène artistique algérienne. Le travail fait sur les marionnettes, le théâtre de marionnettes, oui. Ça s'est fait pendant mes études à Grenoble. D'accord. J'ai oublié de signaler que vous avez aussi, après l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, vous êtes allée en France, oui. Et vous avez étudié dans cette prestigieuse école d'art, l'École supérieure des arts décoratifs de Grenoble. C'était en... Vous vous en êtes sortie diplômée en 73, de 69 à 73. À 73. Oui. Voilà. Oui. C'est quand même important de signaler ça. Oui, d'autant plus que ces marionnettes ont pris naissance par le thème de ma soutenance. Oui. J'étais obligée de travailler, je n'étais pas boursière. Donc j'étais dans l'enseignement et j'ai trouvé un poste dans le privé. Et c'était extraordinaire parce que dans le privé, je pouvais faire... Il suffisait que mon programme plaise et il était appliqué. Et c'est la raison pour laquelle le thème de ma soutenance a servi aussi de travail avec mes élèves. Tout à fait. Voilà. Ensuite, vous avez exposé donc, et vous avez eu aussi un parcours rythmé par de nombreuses expositions dans différents continents, en Asie, au Moyen-Orient... En Europe aussi? Oui, aux États-Unis. Oui, aux États-Unis aussi. Voilà. Dans... Et puis chez nous. Et en... voilà. Surtout chez nous. Oui, de nombreuses expositions, oui. Personnelles et collectives. Et on en revient à sonorité africaine. Je pense qu'on va aller découvrir juste cette exposition. Juste une petite parenthèse, oui, sonorité. Oui. Je voulais juste dire qu'elle avait transposé, en tout cas, cette expérience avec les enfants chez nous aussi. Oui, 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 oui. Voilà. Et chez nous aussi, ça a donné des résultats fabuleux. Absolument. Elle a donné lieu à un échange extraordinaire avec des enfants et par la création d'objets insolites, de sculptures géantes. Des sculptures géantes, j'avais vu ça dans et votre je jardin. Je saute sur l'occasion, je vous coupe la parole, excusez-moi. Allez-y, voilà, alors, il a été réalisé par Casbah Édition un livre où les dernières pages... Pas parce que c'est les dernières, mais parce qu'il fallait montrer tout ce travail pour que ça reste. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, vous m'avez fait un article. Si, je m'en souviens. Dans ce, voilà. Je m'en souviens, parce un très j'aime bel beaucoup, article. J'aime beaucoup ce que vous faites, en tout cas, voilà. Donc, et ça m'avait interpellée, c'est ce rapport à l'enfance qui était exceptionnel. C'était fait avec générosité et ça m'avait interpellée, effectivement, à l'époque. Ah ben, c'est un travail passionnant, vous savez, les enfants, des sculptures géantes domaine. Oui, moi, des très belles sculptures très colorées. J'avais fait un passage chez vous, j'avais réalisé un reportage dans votre atelier, ça remonte à très loin, les années en 2004, 2005 peut-être, ou bien avant, il y avait des sculptures très géantes, des animaux. Oui, des animaux. En papier mâché, vous aviez réalisé en papier mâché, c'était dans votre jardin. Oui, exactement. Et il y avait beaucoup d'enfants, ça courait de partout. Voilà. C'était fort sympathique, vous faites bien de le rappeler. Effectivement. Et ça a été exposé à Riyad el-Fatah. Et vous m'avez fait un article que vous avez appelé « Une magicienne des temps modernes ». Effectivement, parce que c'était la période où Harry Potter était en vogue. Voilà, d'ailleurs vous l'évoquez dans votre article. Et donc c'était un petit peu, ce monde imaginaire m'avait tellement plu que j'en ai fait un petit peu un parallèle avec justement la naissance de cette saga d'Harry Potter. Oui, alors, c'était une magicienne également. Oui. Absolument. Elle a créé un univers fabuleux qu'elle a partagé avec les enfants. Alors ça vous avez, extériorisé vos émotions à travers écrit. Votre plume. Et c'est venu d'un seul geste. Et nous, à travers l'image. Tout à fait. Puisque j'avais réalisé un reportage dans ce sens. C'était, si mes souvenirs sont bons, 2004-2005 à peu près. 2003-2004 à peu près. Je ne me souviens pas ouais. L'année. L'année, mais... Ce serait pas plutôt... C'était pour la fête de l'enfant. C'était à l'occasion... C'était pas 2001. Ou 2001.
Bah dis donc, le temps passe très vite. Et hein, oui, on ça passe très très vite et ça ne nous rajeunit pas. Non. C'était en 2001, 2002 peut-être, oui. En tout cas, les prémices de cette réflexion africaine étaient déjà là. Oui. On sentait les signes. Absolument, vous qui, tout à fait... bon, alors on découvre le reportage et puis ensuite, mais avant, on va dire quand même un mot, c'est que vous êtes une grande amoureuse du Sud, du Grand Sud algérien. Vous avez votre sœur Malika Rachid, qui est préhistorienne. Oui. Vous avez de bons souvenirs, partagez des moments fabuleux avec votre sœur. Beaucoup des balades dans le Sud, des découvertes. Oui. Elle en tant que préhistorienne et vous, j'imagine, Zohra Rachid Selaim, accompagnant sa sœur préhistorienne Malika. Et j'imagine vous avez dû en faire des esquisses. En plein sud. Je ne travaille pas tellement sur. Ah bon? Non, je suis plutôt une personne qui emmagasine. Qui emmagasine beaucoup dans sa mémoire. Oui, je suis plutôt comme ça. Et puis après, bah, c'est les réminiscences, ça revient. Et beaucoup de avec elle, il y avait une grande complicité. Oui. Et vraiment, elle m'a fait découvrir des choses absolument fabuleuses dans le désert. Et je conseille à tous ceux qui peuvent. Faire ce voyage, malheureusement, qui est assez coûteux, puisque le tourisme du site est un peu cher, mais c'est une chose qu'on ne peut pas faire ailleurs. Hein. Oui, j'imagine. Alors, on ne va pas en dire plus. Voilà. J'espère qu'on leur a mis l'eau à la bouche. Ah, oui, certainement. Alors, on va découvrir le reportage que nous avons eu à réaliser à la Galerie d'Art El Yasmine, découvrir votre exposition personnelle, Zohra Rachid Selaim, intitulée « Sonorité africaine. Regardez. À la galerie El Yasmine, des œuvres révèlent et interpellent. Des œuvres d'art signées par l'artiste peintre Zohra Rachid Selaim. Une artiste au parcours aussi riche qu'imposant. Sonorité africaine. C'est l'intitulé de son exposition. Voilà plus d'une année qu'elle prépare cet événement. Un événement qui se décline en exposition itinérante. Ma nouvelle démarche dans la galerie, c'est de promouvoir l'art algérien à l'international. Et c'est pour cela que j'ai signé des conventions de partenariat. Le prochain départ dans 2 mois, c'est-à-dire le mois de mars, le mois prochain, à Paris. Et on va continuer cette aventure avec Zohra dans un autre pays, c'est la Tunisie, notre cher et frère voisin. Et après la Tunisie, ça sera à Madrid. Et juste après Madrid, on clôturera cette exposition dans l'année 2019 sûrement. Dans mon nouveau centre des arts qui va ouvrir ses portes normalement dans 3 ou 4 mois à Oran. Dans cette exposition, Selaim nous donne à contempler ses œuvres d'art. Et elle nous donne aussi à apprécier son talent d'artiste. Un nom, une œuvre. Un parcours rythmé par de nombreuses expositions personnelles et collectives. Dans sa dynamique et sa démarche artistique, cette plasticienne avance et explore dans un univers bien à elle. Acrylique, pastel et outils de travail en main, elle laisse libre cours à sa créativité, et ce, sur un nouveau support. J'ai trouvé ça tout à fait par hasard. J'avais un panneau de Forex imprimé, hein, c'était des écritures qu'il y avait dessus, et je me suis amusée à peindre dessus, et je me suis dit, tiens, voilà une matière qui donne un rendu un peu spécial quand même. J'ai essayé, ça m'a beaucoup plu. Au gré de son inspiration et de ses coups de cœur, Zohra extériorise ses sentiments et états d'âme. Fascinée par le Grand Sud algérien, elle reste très attachée aux peintures et gravures rupestres. Entre le passé et le présent, vision et réflexion
sont en bonne communion. Un récit vers l'imaginaire, un devoir de mémoire, dans des œuvres aux dimensions profondément humaines. Nous avons 27 œuvres qui traitent des Hochem que l'on retrouve sur les peintures rupestres du Tassili. Donc vous voyez que ça ne peut pas être plus africain que ça. Il y a une salle où on ne parle que du sud. Les œuvres qu'il y a là ne parlent que du désert, c'est-à-dire de notre identité. Dans cet espace chaleureux et convivial, des œuvres qui témoignent d'une grande audace créative. L'artiste ose, innove et libère toutes ses forces créatives. Dans un monde intériorisé de silence et de méditation, Zohra Hachid Sellel nous fait remonter dans le temps. Et on a remonté le temps, effectivement, avec Nassiba. Vraiment, c'était une belle balade. Merci. C'était une très belle balade. Et puis moi, j'en ai profité aussi pour me balader et feuilleter un petit peu le catalogue qui est très bien fait, de bonne facture. Non, ça c'est le stand qui a été c'est un réalisé livre, plutôt. Lors d'une exposition personnelle. Mais là, il y a le catalogue. Le catalogue, qui d'accord. Qui va avec cette exposition, le voici. Très bien, vous pouvez le montrer, oui, Nassiba. Oui, voilà. C'est arrivé. Voilà, pendant que je suis en... Voilà, tout à fait. Merci. On a frisé des images. Hein. On va voir défiler. On a vu des images dans le reportage. On a vu le reportage que j'ai réalisé avec mon équipe à la galerie Liesmine. Alors, deux salles distinctes dans cette exposition. Il y a une salle qui est réservée au Grand Sud, oui. La préhistoire. Uniquement, oui. Et l'autre salle, c'est un petit peu le vécu, le quotidien. Le vécu, l'histoire. L'histoire aussi. Des titres, beaucoup de titres. On va voir défiler dans un petit moment. Et pourrait donner un titre à... Voilà, il y a une image. Alors, vous l'avez intitulé ? Alors, parce que moi, je n'ai pas retenu tous les titres. Oui. Hein, je serais... Oui. L'imktouf al-djibin, maïnahé wahaliyiddin. Maïnahé wahaliyiddin. Un titre vraiment algérien. Ah, bah, je crois que tout est algérien. Adage vraiment tout. Très connu, absolument. Très célèbre. Absolument. Très célèbre adage. On va voir aussi des notes. Alors, vous avez travaillé l'originalité cette fois-ci. Vous avez travaillé tout en commentant les images, donné des titres. Je peux dire que, rappelez que vous avez travaillé sur le Forex. Vous avez intervenu dans le reportage. C'est un support que vous avez découvert tout à fait par hasard. Oui, exactement. C'est par hasard. Et je trouvais que c'était intéressant parce que, en fait, mon travail se place surtout sur... les supports, c'est toujours le papier ou la toile. Oui. Le papier pour le pastel à l'huile ou le pastel sec. Oui. Et puis la toile pour l'huile ou l'acrylique. Absolument. Mais il se trouve que cette exposition va partir à l'étranger. Et là, je me suis dit, mais comment on va faire pour transporter des sous-verts? Des sous-verts, c'est lourd, hein? C'est le moindre petit tableau pèse qu'un kilo. Oui. À 15 euros le retour? Non, franchement, c'est trop cher. 15 euros le kilo, c'est des sous, hein? Moi, je ne les ai pas. Hein. Donc, je me suis dit, ça tombe très bien. C'est une autre on va le faire sur Forex. Et c'est léger, le Forex, c'est léger. C'est léger, c'est facile à transporter. Ouais. On les accumule, on met un bon papier bulle pour protéger, et c'est impeccable. Oui, mais en plus, sur le plan technique, ça a bien donné. Hein. Franchement, vous avez travaillé avec l'acrylique. Oui. Et j'avais l'impression d'avoir un peu le même rendu, pas tout à fait à 100%, mais un peu le même rendu que le pastel. Exactement. Et vous excellez dans cette technique. Oui, parce qu'à la base, il y a quand même un mode d'impression qui est imprimé en moi et je ne peux pas faire autrement que de... Même en allant sur d'autres supports. Par contre, les techniques, elles, quand elles changent, elles peuvent apporter
une image différente. Oui, même si le profil se ressemble, on l'a vu sur cette série qui vient de défiler à l'image, le profil, on a l'impression que c'est le même qui est en répétition, mais il change de manière incroyable par ce choix chromatique, par justement cet univers dans lequel Il y a des figures qui reviennent, des figures récurrentes, et tout est parti à partir d'une figure qui date, vous restez dans Laoshen. Hein, on l'a vu dans votre interview, on a montré la figure. Oui, c'est un profil qui a été découvert dans le sud, mm-hmm. et qu'on retrouve dans les livres de la préhistoire. Hein. Oui. Ce n'est pas une chose que j'ai inventée. Bien sûr, c'est clair. Ensuite, j'ai fait un petit panneau en expliquant le thème qui m'a poussé à travailler sur ce profil. Et qui revient, ce profil revient. Il y a 27 planches qui ne montrent que ce profil. Tout à fait. Dans des couleurs différentes. Ce sont des figures récurrentes, millénaires, qui remontent à la préhistoire. Et dans vos travaux, la mémoire, il y a un travail de mémoire qui se fait. Ce sont des souvenirs qui s'installent, qui s'enracinent dans vos travaux, Zohra Sellel. Dans la joie ou la douleur, en tout cas, il y a des beaucoup de souvenirs qui s'enracinent dans vos œuvres d'art. Là, vous parlez de oui, de votre travail, de la deuxième salle dans laquelle je montre le vécu. Le vécu de mes parents, de par l'histoire, ce qu'on a vécu dans ce pays depuis mon enfance, ce qu'a vécu ma mère, ce qu'a vécu mon père, et puis les gens de mon entourage. Tout à fait. Voilà. D'où, en allant loin peut-être dans l'histoire, les larmes de Dahia, l'école de Simouhand Oumhand, ou l'étendard de Fadma Nsoumar. D'accord, on va revoir quelques images, si vous voulez bien, côté régie, vous pourrez donner des titres au fur et à mesure, si on revoit ces images, on va les voir. Alors là, vous l'avez intitulé. Alors là, c'est la préhistoire. La préhistoire. Ce sont des éléphants, il y a des parois où il y a des éléphants de toutes sortes. Oui. C'est extraordinaire, la maîtrise du dessin déjà à l'époque, avec le peu de moyens. Absolument, ouais. Tout à fait. On peut voir aussi quelques images du catalogue aussi, si c'est possible. Je vous le rends ? Non, vous pouvez, bien sûr. Si vous voulez bien. Ouais. Parce qu'il y a une salle qui est réservée à la préhistoire et l'autre salle, d'autres planches, d'autres œuvres, qui parlent un peu de votre vécu, de votre enfance. Du côté humain. Du quotidien. Alors là, ce sont deux toiles qui sont à Paris déjà, parce qu'elles ont été exposées l'an dernier dans la même galerie où va avoir lieu la prochaine exposition. C'est dans la même galerie chez Orteza. Exactement. Voilà, Sable d'art. Et donc vous avez alors côté droit, c'est un couple que j'ai appelé l'amour en rose. C'est le côté un petit peu... votre côté fleur bleue. Voilà. Et de l'autre côté, c'est Aïcha Oubendo. Aïcha Oubendo. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment un lien. Très, très fantaisiste. Un peu plus beau. Oui, il faut aussi... Bien de chez nous. Oui, nous avons nos histoires. Oui, nous avons notre Aïzia. Oui, on peut en voir aussi. Juliette, donc locale. On peut en voir une autre aussi. Avec plaisir. Voilà. Au hasard, allez, au hasard, on va essayer de voir une autre œuvre. Celle-ci est un peu plus abstraite. Alors là, je l'ai appelée l'école de Simouhand Oumhand. Pour ceux qui ne connaissent pas, Simouhand Oumhand est un grand poète. C'est un poète errant, très malheureux. Dispersé un peu partout. Et il y a une espèce d'écriture que j'ai trouvée comme ça et qui ça vous a interpellé. Peut-être qu'on va voir dans un petit moment les larmes de Dahia ou là on revient sur d'autres œuvres. Oui, la photo de droite est ratée.
Ah oui, allez, c'est vrai. On ne va pas la montrer. Allez, on ne va pas la montrer. Bah oui, des fois, on a des petites de mauvaises surprises. Hein, bah oui, mais quand ça passe à l'impression, des fois... C'est un peu comme la céramique, vous savez, des fois il faut attendre la fin. Des surprises. Même si on fait le suivi, il y a toujours de mauvaises surprises au niveau de l'impression. Oui, parce qu'on n'est pas forcément présent au moment de l'impression. Oui. Donc après, du coup, l'imprimeur, des fois, il fait ce qu'il veut. Ah oui, alors c'est un travail que je prépare pour une exposition très importante. C'est un travail sur la fantaisie qu'apportaient les peintres de la préhistoire sur les cornes des bœufs. Mm-hmm. Des bubales de l'époque. Voilà. Et ce sont les animaux qu'on trouve encore notre désert à nous, mais dans le sud africain, oui. Ce sont encore des... Alors, en parlant du désert, Zahra Hachid Seled, ces dernières années, vous avez eu à repartir au sud? Très franchement, toutes ces dernières années? Non. Il y a 4 ou 5 ans, j'ai participé à un événement à Taman Rasset, mais depuis... Oui, alors à Taman Rasset, je pense que c'était avec Abdahman Aïdoud, avec Skenazen, c'était Skenazen qui avait organisé un événement. Non, c'était ma belle-sœur qui avait organisé un événement sur Sauver l'Imzad. Oui. Voilà. C'était avec Madame Selel qui est présidente de cette association. Et nous étions 3 personnes représentant le ministère de la Culture. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle on était présentes. Tout à fait. Voilà. Et j'imagine que vous avez envie de repartir encore et encore au sud. J'aimerais bien, mais je n'ai pas eu la possibilité. Il y a cette possibilité, mais c'est une opportunité. Vous n'allez pas hésiter, j'imagine. Hein, l'automne prochain. Vous qui êtes une grande amoureuse du sud. Écoutez, moi j'aime toutes les régions d'Algérie, mais le sud m'apporte une sérénité que je ne ressens pas ailleurs. Et ça se passait comment avec votre sœur, avec beaucoup de complicité? Vous partiez, vous bivouaquez aussi? Ah oui, c'est toujours des bivouacs. On arrivait, on n'allait pas à la maison. Ouais. Le ravitaillement allait à la maison. dès qu'on en avait pris un petit peu, on partait tout de suite. Hein. D'ailleurs, même les agences, c'est ce qu'elles font. Hein. Elles emmènent les voyageurs en bivouac. Hein. Oui, tout à fait. Et dans ce silence du Grand Sud, j'imagine, vous en gardez beaucoup d'images. Beaucoup d'images parce que lorsqu'on observe une gravure, d'où vient cette gravure? Il y a des milliers d'années. Comment les gens se comportaient? Il y a un tel mystère. Comment est-ce qu'ils vivaient? Oui, il y a un tel mystère autour de ça. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on lit sur... même des fois, des choses qui sont irréelles, imaginées. C'est tellement... Pour moi, c'est tellement mystérieux que c'est ça qui m'agrave carrément. Oui. Vous aviez des regards croisés, vous et votre sœur, elle avec son regard de préhistorienne et vous en tant qu'artiste. Elle c'est la scientifique. La scientifique et vous en tant qu'artiste. Et moi c'est des états d'âme, c'est l'imaginaire qui parle. C'est là-haut. Ça, c'est pas mal. Elle interrogeait plus le trait, elle était là sur... Oui. À se concentrer un petit peu sur les formes, le chroma, parce qu'il y avait de la couleur sur certaines... Après, ça passe à la couleur, alors que la couleur, il y en a très peu. Hein. C'est plutôt des tons de sable. Ils avaient très peu de moyens à l'époque. Et dans votre atelier, bien aménagé aussi, où on trouve aussi... j'imagine, ça fait longtemps que je ne suis pas venue dans votre atelier. Vous ne connaissez pas mon nouvel atelier. Le nouvel atelier, non. Mais l'ancien, oui. L'ancien, j'ai eu le plaisir de visiter quand il y a justement toutes ces marionnettes géantes, ces animaux géants. Ça, c'était beaucoup à l'extérieur, surtout dans le jardin, parce que c'est trop grand. Mais on a travaillé aussi au niveau de l'atelier, quand j'avais réalisé un portrait de vous. On avait réalisé, mais nouvel atelier, non. Il va falloir qu'on vienne. Oui, alors là, nouvel atelier est très lumineux. Partagez votre intimité, si vous voulez bien, Zahra Seled. Mais mon atelier est aussi grand qu'une galerie. Ah, d'accord. Et puis surtout, je n'ai jamais fait d'exposition. Si, j'ai fait une exposition. J'ai exposé 3 enfants, mes petits-enfants, dont ma fille. Ma petite-fille, il y a 3 ans,
pendant le ramadan, on a fait une soirée et on a exposé les dessins de ces enfants. Ouais. Une association a sollicité ma petite fille pour faire de ces dessins un calendrier. Et elle est passée ici, hein, mais elle n'a rien dit. Elle était tellement intimidée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein, elle est très éveillée. À, oh là là, très oui. éveillée, j'imagine. Elle rentre au deuxième cycle, au CEM, sachant. Hein. Ah, ben bien sûr, c'est une jeune fille maintenant. Ouais. Alors, dans votre atelier, quand vous vous enfermez, quand vous êtes dans votre bulle, hein, j'imagine que vous êtes dans votre bulle, dans votre atelier. Et vous laissez libre cours à votre créativité, Zahra Salel. Oui, ben alors là, ben, tout revient, ça remonte, ben, je travaille, puis souvent les choses se décantent, hein, je travaille, c'est rare quand je fais d'un trait une œuvre. Et ça, il vous arrive de travailler sur une œuvre, vous la laissez de côté, ensuite vous travaillez sur une autre et vous revenez après sur cette œuvre-là. Des fois, je reviens des années après. Et c'est même systématique. Hein. Mm-hmm. Je ne sais pas. Je vous dis, c'est vraiment rare quand je fais une planche d'un trait. Oui. C'est rare. Ce n'est pas dans ma façon d'être. j'ai besoin de temps, de beaucoup de temps pour... Et du recul aussi. Oui, beaucoup. Du recul. Oui. Vous aimez bien la texture, vous aimez bien cette texture. Alors vous coupez, vous découpez, vous déconstruisez, vous aimez bien les formes épurées, des fois torturées. Et vous travaillez, vous utilisez aussi la créda, pastel sec, pastel gras, vous travaillez sur différents supports, j'imagine. Technique mixte aussi. Oui, technique mixte, c'est une technique, c'est-à-dire on part d'un papier foncé et on gratte. Par exemple, les cornes qu'on a vues tout à l'heure, c'est que gratter. C'est du graphisme carrément. C'est de la gravure, mais pas avec les instruments traditionnels. C'est une lame gilette, ça peut être un cutter. Je gratte et c'est comme ça que j'arrive à faire mon dessin. Et puis je photographie pour mieux le voir. Et à nouveau, je refais une photo et je retravaille dessus. Quelquefois, je rajoute un collage. Et c'est comme ça que ça évolue. Et... Là, on retrouve aussi des traces charbonneuses. Hein. Vous utilisez des crayons au charbon. Du fusain. Du fusain, du pastel noir... C'est ça qu'on appelle la technique mixte. Technique mixte, c'est utiliser différents matériaux, outils de travail au gré de votre coup de cœur, de votre inspiration, j'imagine. Ça tout dépend du thème aussi. Hein. D'accord. Il y a des thèmes qui nécessitent, enfin pour moi, qui nécessitent un travail beaucoup plus sévère, si vous voulez, par exemple du noir et blanc. Oui. Et parce que le noir et blanc a une force que n'a pas la couleur. Ça se voit très bien dans la photo, pour ceux qui font de la photo. Et puis le noir et blanc, on peut pas, enfin pour moi, je peux pas le faire sur n'importe quel support. Il y a des supports qui nécessitent un travail avec une matière qu'on ne peut pas utiliser sur une toile, par exemple. D'accord. Et vous travaillez donc, vous avancez, vous explorez dans votre travail d'artiste. Il y a toujours de la recherche et une démarche artistique en perpétuel renouvellement dans votre dynamique artistique, Zahra Salel. Vous savez, quelquefois, j'ai vraiment rien en tête. Hein. J'ai rien en tête. J'ai une feuille devant moi et à partir du premier trait, y a une chose qui se dessine comme ça. Et c'est ça que j'exploite. Qui s'impose à vous, voilà, comme ça, naturellement. Oui. Naturellement. Mais bien sûr, c'est ce qu'il y a dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, qui revient, hein, qui remonte à la surface. Hein, oui, il y a beaucoup de réminiscences. Hein, oui, voilà. Réminiscences. Puis il y a aussi, on dit qu'il y a toujours dans votre travaux des figures, ces figures récurrentes qui reviennent, en fait, dans vos œuvres d'art.
qui s'impose à vous. Oui. On arrive déjà à la fin de ce bon, okay. Je vous assure. Vous avez fait c'est bien passe fait. Tellement vite. Vous avez bien fait de me faire remarquer, Radia, parce que le temps passe si vite. Elle qui a exploré tous les supports, elle aurait peut-être voulu être autre chose qu'artiste peintre, ou est-ce que vraiment, si c'était à refaire depuis 62 à aujourd'hui, vous seriez demeurée donc plasticienne, ou vous auriez aimé explorer un autre univers? Je crois que vous l'avez senti et que vous l'avez exprimé dans votre article. Ah bon? C'est j'aurais aimé être jardinier. Jardinier, la nature. La nature. Très proche de la nature. C'est merveilleux, la nature. Quand vous plantez et que vous voyez les feuilles se développer, puis les fleurs, et la façon dont la fleur évolue, change de couleur depuis le bouton jusqu'au moment où elle se fane. C'est quelque chose de merveilleux. Ah oui. Non, je crois que si j'avais découvert ça il y a longtemps, la première des choses que j'aurais fait, c'est essayer d'avoir un petit lopin de terre et j'aurais planté des plants. Des c'est un bel hommage en tout cas que vous rendez à la Dame Nature à Dame Nature et à la force créatrice. Rabbi Subhanahu, on dira. Donc vraiment, il a bien fait les choses, on dira. Oui. Et c'est vrai que c'est beau de voir la création évoluer. Merci beaucoup en tout cas, Zohra Hachid. C'est là où vous vouliez continuer. Oui, juste dire que l'exposition, elle va demander à Zohra, l'exposition va se poursuivre jusqu'à. L'escalade gerouaise, donc, l'escalade gerouaise. Jusqu'au 17 de ce mois, donc ça se passe, rappelons-le, à la galerie d'art El Yasmine. Très qui bien. Se trouve à Haït Bina, à Deir Ibrahim. Et au Rhin, ce sera quelle date? Je pense que ce sera la fin, on n'a pas encore les dates exactes. C'est écrit d'année. Là-bas, Non. Ce qui est écrit là, c'est pas sur l'affiche. C'est les lieux où vont... Mais on donnera en tout cas l'information dès que voilà, ce sera possible. Voilà, exactement. Il viendra puisqu'il va inaugurer un centre d'art, ce qui n'est pas rien, avec résidence d'artistes, des lieux pour des artisans pour exposer, pour recevoir aussi des musiciens, des poètes, des écrivains. Toutes les expressions. Je crois que ça va être quelque chose d'important. Voilà. Et c'est surtout très important parce que c'est à partir d'un lieu comme ça qu'il peut y avoir des échanges avec des artistes hors d'Algérie. Oui, pour la promotion absolument. Des arts plastiques. Voilà. C'est le seul moyen, il n'y en a pas et, d'autres. Et une meilleure visibilité des artistes quand on va vers l'international. Oui, exactement. Et en parlant de visibilité, mesdames, je vous remercie d'abord. Je vous remercie, ce fut passionnant. En parlant de visibilité, on va tout de suite donner de la visibilité à un des lieux cités tout à l'heure par l'artiste, donc en l'occurrence le Tassili Najjer. On va tout de suite mettre le cap sur Janet avec Kamel Swig, qui a suivi de très près deux jeunes touristes locaux donc, sur ces lieux magiques et qui vraiment inspirent tous les artistes. Auteur de Janet, ça parle de jeux vidéo, de dessins animés. Mais avant le départ, vers le Grand Sud, nos deux jeunes ont déjà une idée en tête sur ce qu'ils souhaitent découvrir. Imagine découvrir de nouveaux endroits que la ville et voir de nouveaux trucs, de nouveaux animaux que je ne connais pas. J'imagine que je vais voir des dunes de sable, des fennecs et des chameaux. Des dunes de sable certes, mais des fennecs pas si sûrs. Avant de s'aventurer vers le Tadrart Rouge, nos deux jeunes vont devoir passer leur première nuit de bivouac et ils se comportent déjà comme des adultes. Il est 18h et je me prépare pour ma première nuit sous la tente avec mon ami Céleste qui est juste là-bas. Et j'espère que la tente ne s'envolera pas parce qu'il y a beaucoup de vent ici à Janet. Il fait un peu froid, mais on attend qu'il ramène les sacs de couchage. La première nuit fut un peu venteuse, et malgré cela... J'ai passé une belle nuit, malgré le vent. Mais le vent n'était pas fort, alors j'ai dormi bien cette nuit. Est-ce que tu veux renouveler cette expérience? Oui, c'est bien d'aventurer ici à la... dans la nature. J'ai bien dormi, oui. Tu veux renouveler cette expérience? Oui, je veux la renouveler presque tous les jours. Et ce soir, vous allez dormir où? Toujours à la tente. Les journées s'enchaînent et nos deux jeunes se lâchent de plus en plus.
Il se jette dans les dunes de sable, immortalise des moments en famille. À Salès, calme et avide de découverte, vit pleinement cette aventure. Je me suis beaucoup amusé sur les dunes de sable avec Amaïs. Avec Amaïs, j'ai aidé aussi à faire la tente pour dormir. Amaïs, qui rêve de devenir acteur, aura trouvé un décor grandeur nature. J'ai trouvé des dessins sur les murs, comme les girafes et les gazelles et les zèbres. Et j'ai joué un petit peu sur les dunes de sable. Je m'ai amusé avec mon ami Céleste. Et sur la route, j'ai trouvé des chameaux. Le voir s'épanouir dans le sourire au papa. Il s'est défoulé après un trimestre d'études concentrées. Il arrive ici dans les espaces et s'est vraiment défoulé. Surtout sur les dunes de sable, ça lui est arrivé de crier quand il y a des grands rochers. Et ça a été vraiment fascinant. Ça a plu à toute la famille. Au bout d'une semaine de bivouac, Asalès et Amaïs auront parcouru 1000 km en voiture, escaladé plusieurs dunes, marché plusieurs kilomètres aussi, dormi 6 nuits sous la belle étoile. La preuve que le Tassili Nadjer est à la portée de tous, même des plus jeunes. Et nous avions promis tout au début de l'émission que nous allions parler et mettre à l'honneur le quatrième art qui aussi vraiment un art à valoriser. Et justement, nous avons le plaisir aujourd'hui pour la première fois sur le plateau de Bonjour d'Algérie de recevoir le comédien d'une pièce qui a fait beaucoup couler d'encre. Donc il s'agit de Baccalauréat donc, qui a décroché au dernier festival national donc, de théâtre professionnel le grand prix du jury. Et donc à l'unanimité, donc cette pièce a été donc non seulement gratifiée, mais aussi elle a décroché l'unanimité en termes de jury, public et aussi, oui, je dirais, participants au festival. Bienvenue donc à Issa Chouat, comédien donc, qui a campé un petit peu le rôle principal dans cette pièce. C'est un Vous travail. Étiez donc, oui. C'est dans l'ensemble, c'est le travail du groupe. Un comédien, je jouais un rôle qui s'appelle Wahid. C'est le jeune, beaucoup d'argent. Le cancre. Oui, beaucoup d'argent. Mais je suis grave, mais je suis. On a traité. En fait, le côté sympathique de votre personnage réside aussi dans le fait que vous soyez un petit peu coureur de jupons. Il n'y avait pas une femme qui passait qui ne pouvait pas retenir votre attention. Ah oui, bien sûr. Et en particulier, une certaine Nissa. Oui. Nissa Benissa, oui. C'est l'objectif d'eux, une femme. Je cherche une femme. Un autre homme, mais je cherche une femme. C'est un personnage négatif par rapport à la pièce. Oui. Hein. C'est un personnage négatif. Baccalauréat, c'est une expérience de théâtre de Mostaga Ghanem. C'est un spectacle jeune. Oui, tout à fait. Le sujet qu'il a traité, c'est l'actualité, c'est où je suis. C'est-à-dire que le baccalauréat en lui-même est un prétexte. Mais c'est vrai que, on va un petit peu résumer rapidement pour ceux qui n'ont pas vu la pièce. Donc d'abord, ça se passe dans un lieu dans assez insolite. C'est une cave. Oui, c'est un entrepôt, voilà, où on trouve plein de caisses, plein d'emballages de marchandises comme ça. Oui, et c'est un lieu qui sert justement pour les cours de soutien à titre informel. Donc ce n'est pas une vraie classe, mais elle regroupe un nombre de personnages assez insolites, donc qui un peu résume ce qui se passe dans la société. Bon, baccalauréat, c'est un spectacle, c'est des jeunes qui les rendez-vous autour du bac, ils parlent dans une cave, ils font les cours au home, c'est des cours privés. Il croit qu'il y a une cave, ou la cave, c'est la cave, il sait qu'il y a un artiste, c'est malheureux. Ouais, un artiste, c'est que dans une cave, c'est malheureux. C'est un message, donc c'est un cri quelque part de notre auteur et metteur en scène, Azdine Abbar. Abbar, un petit regard à l'égard de ces artistes. Mais, dommage, Abbar.
puisque Ricky Mehmet, sa mère. Oui, oh là là, condoléances à la famille, Inch'Allah. Rabbi Yerhamha, je ne peux pas être avec nous, je ne peux pas. Et lui, il est malade, Rabbi Shafi. Prompt rétablissement, donc s'il nous regarde ce matin. Oui, oui. Je dis que le baccalauréat, c'est un spectacle, c'est une expérience qui est donnée avec Azdine Abbar. C'est une expérience mléha bzef par rapport à un jeu d'acteur, par rapport à l'interprétation des comédiens c'est de Moustaganem, par rapport au théâtre régional de Moustaganem, puisque c'est un nouveau théâtre. C'est un nouveau théâtre par rapport à. La directrice Nabila Mohamedi, Rabbi Yahfadha ou Khaliha, c'est un spectacle jeune. Et en mouvement, tout en mouvement. C'est bien sûr, bien sûr. En termes de lumière, de scénographie, en termes de jeu de comédien, de fusion entre vous. Bien sûr, puisque Darouk Arana qui m'ont dit que je voulais mettre un peu de haja, zappi. Oui, tout à fait. Mettre un peu de haja, zappi. Parce que c'est théâtre de l'image, c'est l'image. L'amener à l'image, l'amener à l'esthétique, l'amener à la beauté du spectacle, l'interprétation d'un comédien par rapport au texte, par rapport aux situations, par rapport au jeu, par rapport. Qu'est-ce qu'il y a de la complicité entre le groupe. C'est Hassina, parce qu'à un moment donné, Hassina est toute une famille. Oui. Et vous aviez donc au sein de ce petit groupe votre acolyte. Oui. Donc celui qui ne vous quittait pas dans la pièce, c'était Soudani qui campait hein, le rôle de votre ami. Oui, votre ami, Toufiq. Même bête, le démon, n'a pas le bravo, tu me dis à chaque fois, hack, brille, diaplana, hack, diaplana. C'était lui qui transmettait votre courrier, votre dulcité. C'est même le personnage de Soudani, Nasser, c'est qu'il a maillé, c'est le personnage de Toufiq dans la pièce. C'est qui sont le personnage les qui sont le ma'andouche ou habi qra ou habi youssallou et l'opposé de ce que vous êtes. Voilà, tout le contraire, je m'en fous. Et pourtant vous étiez complice dans cette pièce, vous bien étiez sûr. Très complice. Et lui il présentait l'avantage d'être de bouger comme un félin, donc il était très dynamique. Lui il aurait pu être danseur hein, Soudani. Pendant les répétitions, même qu'il écoute répéter parce que Soudani c'est master, c'est de Moustagane, mais moi j'ai exigé que je sois à l'hôtel, parce que je n'ai pas... Ah d'accord, donc vous êtes resté tout le temps à l'hôtel. J'ai dit, oui, maman a fait le téléphone, elle a dit, « J'ai oublié le dîner, je vais le faire, non, je vais le faire. » Vraiment, ça vous a soudé, cette pièce vous a soudé, scellé votre amitié, c'est excellent. C'est tout le bonheur qu'offre une pièce de théâtre. Ouais. C'est un travail d'équipe, on forme une famille pendant un temps, pendant les tournées, pendant... Cette famille a eu le plaisir de vivre le moment de la consécration au festival. Quand on vous a annoncé donc, que vous aviez le grand prix du jury, quelle a été votre réaction? Alors, vous avez fêté ça en groupe? Comment vous avez réagi? Ayetou, Labtou, qu'est-ce que vous avez fait? C'est... دينا لو غران بري بيان جات هكا احنا ما كناش نسناو فيها بيسك احنا اشاك فوا كي نخدمو تياتر اون ترافاي بور لو بوبليك وي كيفاش نجيبو بوبليك للصالة كيفاش نخلو الناس تشوف تياتر نخلو الناس كاين دي جون دي فوا واحد قاعد في قهوة هكا ومن بعد جوست اكوتي كاين تياتر بصح ما يعطيكش يروح يشوف افكتيفمون احنا كيفاش نجيبو احنا بغينا واحد C'est un projet, tu peux dire que c'est un projet, le Grand Prix, c'est oui. La cerise sur le gâteau, mais le plus important c'est le public, effectivement. L'objectif de nous, c'est qu'il faut qu'on au public, qu'il faut qu'on ait le théâtre, qu'il faut qu'on ait le billet, qu'il faut qu'on ait le spectacle, qu'il faut qu'on ait le moment où on est en train de En tout cas, c'était une pièce théâtrale qui a marqué, qui aura marqué en tout cas le public du théâtre, en tout cas algérois, et par son originalité, parce qu'elle a combiné tous les ingrédients d'une réussite d'une pièce théâtrale. Oui. La lumière était au rendez-vous, la musique, votre jeu de comédien était presque parfait, dans la mesure où les dialogues s'imbriquent, et ça va vite, hein. Ça va vite et ça fait rire aussi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, on est dans le tragique et l'instant d'après, on est dans le comique. Oui, c'est ça qui est beau. Oui, c'est un sujet d'actualité. C'est Hkina ou son Aïchien Darouk. Oui. Par rapport à la lumière, par rapport à la musique de Kader Soufi. Mm-hmm. C'est un très bon musicien, un très bon compositeur.
Allez, vous avez cité Kader Soufi, moi je me dois donc de citer Brahim El Tata pour la scénographie. Oui, voilà. Bien sûr, Brahim El Tata, c'est un bon scénographe qui travaille avec nous. À chaque fois, il choisit un accessoire. Mais même si on est dans la tournée, il est toujours avec nous, parce qu'à chaque fois, il choisit quelque chose. Ou perfectionniste. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est excellent, bien c'est sûr. Excellent. En tout cas, il me semble que la famille de Baccalauréat a vécu une très belle aventure. Et c'est plus, en fait, les critiques donc, sur la presse qui a repris, donc, les critiques qui sont apparues à la presse disent que c'est une aventure à vivre. Il faut vraiment, c'est le visuel qui prime dans cette, oui, oui, dans oui, cette oui. pièce théâtrale. Donc, oui. elle est vraiment à voir. Oui, oui, oui. Et puisque c'est un spectacle géré, à chaque fois, nous faisons, par exemple, qu'il y a un théâtre, par exemple, il y a un théâtre, le Nokhba. Des intellectuels ou bien un théâtre pour enfants. On a jamais provoqué l'adolescence. C'est des jeunes, des machines drogues. Absolument. C'est des jeunes. Mais même fait baccalauréat, puisque on a créé le lycée en 1996. عش واحد مومو اونطون تفكرت كيفاش كنت اي تفكرت كيفاش كنت نمنك تفكرت كيفاش كنت كيفاش كنت مهرب كيفاش مسيت كيفاش دونك سي فري كو سي اون بيس او اون بو بارتير ان فامي امني لي ادوليسان لي جون اي لي موان جون دونك سي فريمون اون بيس كي بو بلير ا تو موند اي ايل فا اتر جوي سو سوار اوسي سيت ابري ميدي ا بارتير دو 16h30 سور لي بلانش دو تياتر ناسيونال درنا اون تورني في الغرب لعبنا واحد 12 سبيكتاكل في الغرب لعبنا واحد 12 سبيكتاكل ودوك مازالتنا لا تورني تاع الشرق ورانا نخمو في بوركوا با نديرو تورني في السود دائما الصحراء باش يليق الناس ماكسيموم يشوفوا هاد لابياس ويشوفوها On vous souhaite beaucoup de succès justement. Merci. Merci. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose, allez-y, faut le dire. Vas-y. قولها قولها. واش كنت راح تقول؟ بنزيد حاجة. بنزيد حاجة سي يقول لك اعطيني مسرح نعطيك شعب المثقف العرق بيبليك تاعنا كاين دي جون باغ اكزومبل ما لو تياتر ايدوك يبغي يقعد في قهوة وما يشوفش ان سبيكتاكل باش يزيد ان بليس ولا يثقف ولا ميم كي شغل دي كريتيك ولا كاين لو ريميرجيمون ديريكتريس دو مستغانم سي نبيله محمدي توت ليكيب دو تياتر دو مستغانم اي لو غران 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 ميرسيمون ما فام وي كي فوز لي راهي صبر لي راهي صبر عليا بزاف باسكو ولا ليسي فو بارتي اي لو غران 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 ميرسيمون دو ما ميغ Puisque à chaque fois, tu as dit que tu as Sophia. On salue votre maman et on salue ouais. également madame si elle vous suit ce matin. Et on vous souhaite beaucoup de succès, vous qui avez connu déjà le succès à travers nombreuses consécrations, pas moins de 5 prix à l'échelle nationale et internationale. Merci donc, Aïssa Chouat, d'avoir été avec nous à l'occasion de Baccalauréat. Qui se jouera à 16h30, mesdames, messieurs, sur les planches de TNA. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec nous. Bonjour d'Algérie, c'est dès demain à 8h. D'ici là, passez une excellente journée.